Ah, Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de mon let's play sur Pokémon Écarlate. Je vais essayer de rythmer un peu plus le montage pour éviter qu'il y ait trop de blanc. Parce que dans la première partie, j'ai l'impression que c'était quand même pas assez rythmé. Du coup, je vais sûrement retirer des parties de l'histoire, enfin des moments où il y a vraiment beaucoup de blabla et que c'est pas très très intéressant, pour essayer de faire un peu plus un format best-of. Comme sur les chaînes best-of des streamers, etc. Je pense que ce sera quand même plus agréable à regarder pour vous. Et du coup, on est parti. Oh, j'avais pas encore vu l'écran de démarrage. Il est trop stylé. Ok, donc là, on était arrivé à la ville un peu, avec tous les magasins et tout, et on devait aller à l'école. Vraiment très stylé avec les grands escaliers comme ça. Vraiment objectif, terminer l'intro quoi. Mais trop stylé son sac. Allez, on fait le justicier. Bah vous êtes nul. Ah ma pote. J'ai eu peur. Oh. Pouvoir faire la terra cristallisation. Il va être trop stylé mon pouce à chat. Oh mais ils sont ridicules. Vas-y mon petit. Oh, il est trop beau. Je suis trop fan. Ça y est, ils m'ont eu. Il est incroyable. Et du coup, je suppose la forme de terra cristallisation, elle change pour chaque Pokémon. Ou alors entre chaque type, du coup, ça paraît plus logique. Pitié, hasta la vista. Secours. Tu veux pas me donner ton sac, non, en échange de mon aide? Non. Mais oui, mais moi aussi je suis jalouse. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ce Pokémon? Non, mais il est connu lui. Je sais plus ce que c'est, mais il me dit un truc. Waouh. Oula. Mais j'ai juste fait un combat, qu'est-ce qu'il veut lui? Ils ont pas envie de changer de musique, genre les musiques sont bien, mais c'est un peu redondant quoi. It's a me. C'est un peu cliché, mais je vais mettre ça quoi. Oh là là. Mettre la base. Oh, je vais aller les mêler lui. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les sandwichs dans ce jeu? Mais je connais cette poudre. Ah. Non, c'est pas la même alors. Oh, mais c'est pas un peu comme les barons dans Arceus? Mais trop stylé sa coque. Je t'ai déjà dit oui. C'est vraiment trop mignon les petits enfants. What the fuck? Pourquoi ils me disent tout ça? Je leur dis oui et c'est eux qui veulent pas. Je suis déjà en grosse victime là avec le directeur. Ok, bye. C'est pratique ces petits trucs de téléportation là. Attends, c'est un humain là avec les cheveux. Ok. Je croyais que c'était un Zoroark, mais.
noir. Genre, elle est rang maître et elle m'a pas battue au premier combat. Oh là là. Oh, il y a la Leva Lendura. C'est la Woo Girl que j'avais vue sur Insta. En vrai, elle a l'air stylée. Non, mais tout le monde me demande. Les gens savent rien faire sans moi. Hein. Que ce soit dans Animal Crossing, dans Pokémon. Si je lui dis non. C'est un peu cringe. Elle est stylée. Ah, mais c'est la maman de l'autre là. Du coup, c'est la prof. Ah, mais du coup, c'est une prof Pokémon comme professeur Shen. Genre, c'est pas du tout une prof dans l'école. Bon, je croyais que c'était ça. Il me fait penser à Croque-Mou. Trop mignon. Je crois qu'elle paraît son fils. Voilà, ça fait 20 minutes que j'ai rallumé le jeu. Je suis déjà avec 3 missions. Même 4 avec le rang maître. Bien pratique ce petit téléphone là au final. Hein. Vraiment trop stylé. Oh. Bien mystérieux tout ça, dis donc. Ça c'est cool qu'on ait un endroit à nous. Dans les autres jeux, il n'y avait que notre maison, mais on ne pouvait pas retourner souvent, je pense. Oh la honte, je peux même pas me faire un sandwich. Imagine ton réveil, c'est ça quoi. Super. Bonjour. Oui, tu peux rentrer, vas-y. J'en peux déjà plus de cette musique. Ah. Paye ton école. Je dirais vraiment une secte, hein, mais à l'aise. Ah, c'est ça un motorisard. Oui, c'est moi, je suis juste là, t'inquiète. Mais genre, le professeur, il pouvait pas m'expliquer pourquoi c'est elle qui doit tout faire. Elle marche un peu trop à l'aise dans ces escaliers-là. Oh, y a pas de vrai trésor. Bah zut alors. 100% à la fin, ils vont être là en mode le trésor, c'était le voyage avec nos Pokémon. Non, je vais devoir choisir un camp. Mais attends, mais il y a tellement de choses à faire dans ce jeu, c'est ouf. D'habitude, il y avait juste les arènes et vite fait de l'histoire, mais... Mais du coup, là, ils ont tout entendu. Oh, bébou. Donc c'est vraiment comme dans Arceus, quoi. Un peu cheaté quand même. En vrai, je suis plus chaud de faire
avec Pepper. J'ai envie d'aller chercher des petits pommes là. Cette musique. Ouais, donc en vrai les dominants, on va pas les faire tout seul chaque fois. C'est stylé ça. Je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Mais ça va sûrement être un peu comme les barons de Arceus. Oh. Bah merci bro. J'aurais dû racheter des Pokéballs. Il m'en reste 3. Enfin 2 du coup. Mais je veux le petit pomme là. Toi, je te veux. J'ai attrapé un petit pomme. Ah, lui, je le veux dans mon équipe. Hein. Trop mignon. Oula. Pas une petite boutique Pokémon quelque part, là. J'ai vraiment dû y aller de l'autre côté. Oh. J'ai vu quelque chose d'intéressant. Ah, j'ai une super boule. Bon, c'est un peu du gaspillage, mais j'en ai pas d'autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est stylée, la Pokéball. Enfin, la sombre boule. Oula. Oh, j'ai cru qu'il allait déjà évoluer, j'ai eu peur. Comment ça, suggestion? Oh, trop mignon. Il est trop drôle. Bah, je suppose que je peux pas encore avoir le trésor là-bas, du coup. Quel est ce bruit? C'est vrai que sans Pokéball, c'est compliqué. Un centre. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Oh non. Elle est trop belle cette attaque. Adieu. Oh le choc mental. Imagine l'attaque choc mental en vrai. Ce serait si drôle. Viens te battre. Oh, je veux un Umbrilex. C'est vraiment bien qu'on puisse se TP comme ça. Si bien qu'on puisse ignorer les dresseurs. Rondoudou. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Première fois qu'il est KO. Vas-y, pomme. Pourquoi je galère contre un employé? Mais il est incroyable ce Pokémon. Il est trop beau. Bon. Il est gigantesque. Pour l'instant, il n'y a pas un seul Pokémon qui est sorti de la Pokéball avant que je l'attrape. Non, je suis d'accord. Il donne des beaux conseils, hein, Poussacha. Oh, il y en a un. Toi, je te veux aussi. C'est bien mon poupousse. Le premier qui sort de la Pokéball, c'est un que je voulais autant. C'est trop triste. Mais ils sont trop smart les Pokémon, genre c'est ce que j'aurais fait sans la suggestion. Ils sont trop intelligents. Après pour les enfants c'est pratique. Encore un. Bon là je vais l'avoir quand même. Encore. Ah, bah quand même. Niveau 16. Je sais pas à quel niveau il évolue pour Sacha, mais... Donc ça va pas tarder. Oh non. Mon petit. Je sais plus du tout à quoi elle ressemble cette deuxième évolution, j'ai trop peur.
il est trop stylé. Oh, il est trop stylé. Oh, je suis contente. Trop beau. Je sais pas comment on fait les photos avec les Pokémon. Oula, pourquoi elle a l'air aussi claquée? Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il fait dodo. Mais... Ah, je suis trop fan. Il est trop mignon. Oui, je peux carrément aller au centre sur mon Pokémon, quoi. Punaise, elle doit en voir des gens chelous, l'infirmière Joël. Oh, vraiment adorable. Oh oui, j'avais oublié qu'il avait évolué. J'allais dire, il est vraiment trop adorable, le Pokémon en face, là. Il est trop beau. Ah, je l'aime trop. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est trop marrant. Par contre, il vient de détruire, mais... Aïe. Il est trop marrant. Ça, je commence à être contente de ma petite équipe. Bon, je vais réessayer de le battre, lui, vu qu'il a évolué. Ah, bon. Déjà de 1. Je vais essayer avec lui. Il est vraiment tout petit, c'est trop drôle. Je vais le one-shot. C'est bon, on va s'en sortir. Let's go! Oh, j'ai vraiment le bruit d'une petite chèvre. Et oui. Oh, stylé. Oh, vu de face comme ça, c'est trop stylé. The fuck? Ok, je l'ai trouvé. Va falloir appeler Pepper. Oh, il est horrible. Oh, il est pas content. Ah, je dois le battre comme ça? Pepper, il avait pas dit qu'il allait me rejoindre. Il est facile à battre. Cette pierre vient de bouger. Non, c'était un crabe. Oula. Ah bah quand même. Merci du coup de main. Ah. Ok. Comment il pose. Il est trop mignon. J'allais dire... les points de vue sont bizarres. C'est bizarre qu'on voit pas toute la scène de plus loin, genre. Bim. A plus le dominant. Oh, le drama. Et mon bébé, il est trop beau. Oula. Ok. C'est un peu sorti de nulle part, mais d'accord. C'est avec un nouveau dans le Pokédex, comme ça. C'est pas mal. Du coup, il va falloir aller chercher l'épice. Si j'ai bien compris. Ok. Avant qu'ils reviennent, mais qu'ils reviennent de où? Comment il s'agenouille, ça me fume. Ok. C'est donc avec ça qu'on va faire des sandwichs.
Yes. Il me fait trop rire, Pepper. Je le trouve stylé. Trop beau. Ils me fument avec leur sandwich là. Ah bah oui. Non, rien, il fait trop rire, il est trop mignon aussi. Pourquoi je lui ai donné tout mon sandwich? On peut pas le couper en deux, non? Vas-y, trop mignon. C'est vrai. Mais bon. C'est pas grave. Trop mignon. Ben voilà, fallait que je lui donne. Et il est galant en plus, ouais. Ah, il n'y en a que 4 autres. Ça me semble pas beaucoup. Pourquoi il fait au revoir comme ça? Bro. On sait pas ce que c'était. Quel homme mystérieux, Pepper. Bien pratique, ça. Ah, c'est cool, ça, qu'on doive pas faire quelque chose en particulier et qu'on puisse vraiment faire dans l'ordre qu'on veut, c'est cool. Je peux pas retourner dans la grotte. Non. Du coup, c'est ici qu'on va se laisser. Parce que ça fait 1h45 que je tourne. Et pareil que l'autre fois, je suis un peu fatiguée. Mais au moins maintenant, si je veux jouer, genre sans filmer en off, pour capturer des Pokémon et tout, je peux. Parce que l'intro là, vraiment, j'en pouvais plus. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo aussi. Si le rythme était un petit peu mieux que pour la première ou pas. J'ai peur qu'en coupant des morceaux de l'histoire, les gens qui ont pas le jeu comprennent rien à ce qui se passe. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie que ça prenne 40 minutes pour chaque vidéo alors que je fais que attraper des Pokémon et qu'il y a beaucoup de blanc et ce genre de trucs. Donc dites-moi tout ça en commentaire, sinon je pourrais essayer de trouver un compromis entre les deux, enfin, on verra. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à me le dire en commentaire. On se dit à la semaine prochaine pour la suite du Let's Play, et en attendant. Bye.